Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages. Vous avez choisi de m'accorder votre confiance et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité. 34,9% des voix. On va tout de suite aller du côté du Louvre. Explosion de joie, vous le voyez. Les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination, en assurant de manière implacable et résolue votre sécurité, en garantissant l'unité de la nation. Les Français ont choisi un nouveau président de la République et ont voté pour la continuité. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Le premier tour a entériné une décomposition majeure de la vie politique française par l'élimination des partis anciens. Ce second tour organise une recomposition politique de grande ampleur autour du clivage entre les patriotes et les mondialistes. Voilà, merci Nathalie. On va faire le tour maintenant avec vous. Brice, on voit toujours ces images avec Arnaud Combes.